Oui. Je vais faire petit. C'est long, n'est-ce pas? C'est un peu long. Mais c'est intéressant, oui. C'est après, quand vous allez relire tranquillement, vous allez voir que c'était très, très intéressant. Bon, le choix de l'industrie, c'est là-bas, hein, le sous-titre. Est-ce qu'on a écrit quelque chose là-bas? Ah, ouais, potentiel archaïque. À faible potentiel de productivité. On a écrit ça. Est-ce qu'on a parlé de l'autre côté? L'agriculture est considérée comme un potentiel archaïque à faible potentiel de productivité. Bon, j'ai laissé ça, c'est pas grave. Donc, on laisse. 1, 1, 2, croissance équilibrée ou déséquilibrée? Un, deux, croissance équilibrée ou déséquilibrée. Bon, comme on va aller vite, donc on va faire des phrases simples. Il a écrit croissance équilibrée ou déséquilibrée. Bon, première phrase, vous sautez ça. Vous êtes ici. Nusque et Rodan. Ça, vous le savez. C'est juste une phrase introductive. C'est pour introduire juste. Donc, vous notez, Nusque et Rodan considèrent Nusque et Rodan considèrent qu'il faut développer. Il faut développer une croissance équilibrée. Nusque. Vous dites 1, 1, 1, 2, croissance équilibrée ou déséquilibrée. C'est long, mais c'est important. Écoutez, avec ça, j'ai supprimé un peu. Waouh! Nusque et Rodan
considère qu'il faut développer une croissance équilibrée. Comme vous notez le mot équilibré, c'est-à-dire c'est une sorte de balance. Croissance équilibrée. Il faut développer une croissance équilibrée en repartissant les investissements dans toutes les branches de l'économie. Dans toutes les branches de l'économie. Dans toutes les branches de l'économie, afin d'assurer simultanément une offre et une demande. Une offre et une demande pour éviter tout déséquilibre. Pour éviter tout déséquilibre. Pour éviter tout déséquilibre. Donc, les économistes responsables de cette théorie considèrent qu'il faut développer une croissance équilibrée dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'agriculture, les industries, tout. Il faut que les investissements soient répartis de façon équitable dans toutes les branches. Et cela en même temps, pour éviter Non. Il y a un Donc, il y a À la maison, il y a personne, il y a rien, il préfère à l'université que de rester dans la maison, c'est vite. Donc, c'est ça. Pour une croissance équilibrée, c'est quand on répartit les investissements dans toutes les branches, dans tous les secteurs d'une économie, et cela en même temps pour qu'il y ait un équilibre ou bien une adéquation entre l'offre et la demande, et aussi pour que, bon, il n'y ait pas de déséquilibre. Bon, on va au point suivant. Maintenant, les adeptes du déséquilibre, de la croissance déséquilibrée, Hirschman et Perrou. Hirschman, tiré suivant, Hirschman et Perrou. Hirschman et Perrou. Bon, on va faire comme ça. Pour
dedi ki saklarlar. Voilà. Donc, on va écrire un mot à la place de deux ou trois. Vous voulez, je pense qu'il faut promouvoir. Vous écrivez promeu. N'est-ce pas? Hirschman et Perrou promeut la croissance déséquilibrée. Deux points. Hirschman et Perrou promeut qu'il faut, non, promeut la croissance déséquilibrée. Deux points. Concentrer les investissements dans les secteurs moteurs de l'économie. Secteur moteur de l'économie. Concentrer les investissements dans le secteur moteur de l'économie. Pour ensuite susciter une croissance généralisée. Susciter une croissance généralisée. Susciter une croissance généralisée à travers les effets d'entraînement. À travers les effets d'entraînement. À travers les effets d'entraînement, bon, et de liaison, si vous voulez, vous n'êtes pas liaison. Entraînement, c'est déjà suffisant. Ensuite, vous notez ici, dernière phrase, ces travaux ont suscité les stratégies. Ces travaux ont suscité les stratégies. Ces tableaux ont suscité les stratégies. Le développement basé sur les industries lourdes. Basé sur les industries lourdes. Industries lourdes. Donc, ceux qui sont adeptes de la croissance déséquilibrée, comme Hirschman et Perrou, eux disent. Bon, on va concentrer les investissements dans les secteurs qui sont rentables, les grands secteurs, qui sont les secteurs moteurs de l'économie. Ensuite, quand on aura une croissance, en tout cas beaucoup de production et de gains de monnaie, on va investir après dans les autres secteurs qui ne sont pas très important, comme l'agriculture, par exemple. Donc, par effet d'entraînement, les autres secteurs vont se relever. Comment ça se fait? Parce que déjà, quand il y a des grandes industries, des grandes sociétés, les gens qui travaillent là-bas, ils vont travailler avec sérieux, ils vont apprendre à bien travailler, à être à l'heure, à être plus rentable, ensuite parce qu'ils auront de grands salaires. Et maintenant,
par un effet d'entraînement, même ceux qui sont dans les petits secteurs, mais dans le secteur de l'agriculture, eux aussi, ils seront plus ou moins forts. Et en même temps, dans les industries, quand on développe les industries lourdes, on arrive à fabriquer des machines, des biens d'équipement, et ces biens d'équipement qu'on fabrique dans au niveau des secteurs de l'industrie lourde, on pourrait les amener sur les secteurs qui ne sont pas très importants, comme l'agriculture, par exemple. Un, deux, développement auto-centré. Développement auto-centré. Développement auto-centré. Il regroupe les industrialisations. Il regroupe les industrialisations basées sur le développement du marché intérieur. Il regroupe les industrialisations basées sur le développement du marché intérieur. Développement du marché intérieur. Point. Vous mettez point, pas deux points. Point. Ensuite, vous allez à la phrase suivante. Cette stratégie. Cette stratégie. Cette stratégie reflète un pessimisme. Un pessimisme pour les exportations. Vécu pour les exportations, vécu par les pays du Sud, par les pays du Sud, à la suite de spécialisation, à la suite de spécialisation. Spécialisation défaillante, défaillante et d'une dégradation des termes de l'échange. Donc ici, il s'agit de développer les industries, l'industrialisation, mais en se concentrant sur son marché intérieur. Donc, on ne... Oui. Là. Le marché intérieur. Quand on parle de marché intérieur ici, c'est bon, bien sûr, il y a les importations, mais surtout ce que vous produisez et vendez sur place dans votre pays. Donc, pour eux, les industries qu'ils vont créer, il faut que ces industries puissent se concentrer uniquement dans leur propre pays. Voilà, donc c'est pourquoi on est auto-centré, centré sur soi-même.
Et maintenant, pourquoi ils ont choisi cette stratégie? Parce que les pays du Sud avaient eu de gros problèmes quand ils s'étaient lancés dans le commerce extérieur, par exemple, dans les exportations. Parce que vous avez des spécialisations défaillantes. Ils sont spécialisés dans un produit. Si on prend un exemple sur le Côte d'Ivoire et Ghana, par exemple, ils sont spécialisés dans la vente de café ou de cacao comme ça. Mais eux, ils ne transforment presque pas. Ils amènent comme ça. Donc, comme ils ne transforment pas, même si c'est une première transformation, donc ils ne gagnent pas beaucoup pendant ces échanges. Donc, ils ne gagnent pas beaucoup. Et en même temps, bon, ici, on parle des produits industriels. Donc, que ce soit les machines ou d'autres biens, quand on fabrique dans les pays du Sud, qu'ils amènent dans le marché extérieur, nous, nos produits sont de mauvaise qualité, par exemple. Mauvaise qualité par rapport aux produits ou biens qui ont été fabriqués dans les pays riches. Donc, ils n'auront pas de clients, ils vont perdre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle dégradation des termes de l'échange. Les termes d'échange, c'est quoi? C'est quand chacun apporte. Quand nous apportons sur le marché extérieur nos produits, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment nous qui choisissons ou qui établissons les prix. Ce sont les personnes là-bas, les grands capitalistes, les gens qui ont les grosses usines à l'extérieur qui choisissent, qui déterminent les prix de nos produits. Donc, ce n'est pas rentable. C'est pourquoi ils ont dit, bon, d'accord, maintenant, comme si on amène là-bas, personne n'achète le produit, ou bien s'ils achètent, ils cassent le prix. Donc, nous, on va fabriquer et vendre chez nous et gagner de l'argent. Bon, prochain sous-titre, 1, 2, 1. L'industrialisation par substitution aux importations. Industrialisation. Alors, pour avancer. Par substitution aux importations. L'industrialisation par substitution. Bon, si vous comprenez, on peut juste dire il s'agit de, on sort tout ça, on dit il s'agit de substituer. Il s'agit de substituer. Il s'agit de substituer progressivement la production nationale aux importations. Il s'agit de substituer. J'ai sauté quoi pour que votre cours ne soit pas très long. Il s'agit de substituer progressivement la production nationale aux importations. Aux importations. Ensuite, on sort cette phrase. On va à la phrase suivante. Cette stratégie nécessite
cette stratégie nécessite donc la mise en place d'une Je disais, cette stratégie nécessite donc la mise en place d'une réforme agraire pour redistribuer. Les revenus pour redistribuer les revenus. Les revenus et la constitution de marchés interrégionaux. Réforme agraire pour redistribuer les revenus et la constitution de marchés interrégionaux. Si vous avez vu la phrase, elle dit, cette stratégie nécessite la mise en place d'une réforme agraire pour redistribuer les revenus et la construction de marchés interrégionaux. Bon, ici, on n'a pas le gros problème de redistribution des terres, mais ça concerne surtout les grands pays de l'Amérique latine, comme l'Argentine, le Brésil, qui ont de grandes surfaces. Le Brésil, c'est 8 millions. 9 millions de kilomètres carrés. Argentine, c'est énorme. Uruguay, c'est le grand pays. Donc, une personne peut avoir des milliers d'hectares. Des grands capitalistes, des grandes familles, là, peuvent avoir des milliers d'hectares. Parce que c'est des terres qui étaient là et les Européens, ils ont colonisé, quoi. Ils sont venus, ils se sont établis là-bas. Bon, nous, la colonisation française ici, comment ça s'est passé en Afrique? Surtout dans notre région, ils ne se sont pas établis ici, quoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus pour habiter en grand nombre dans nos pays comme Sénégal, Mali et autres. Mais ils ont mis peut-être des fonctionnaires ou d'autres personnes juste pour piller les ressources, pour prendre les ressources et les amener chez eux. Mais dans d'autres régions, les colonisateurs, ils ont émigré sur place, ils sont partis pour s'établir. Si vous entendez, si vous parlez de l'Amérique, ça appartient aux Indiens, mais c'est les Européens qui sont partis là-bas. Que ce soit l'Amérique, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, ils sont tous partis là. Donc, ils ont occupé toutes les terres et c'est quelques familles riches qui ont pris des milliers, sinon des centaines d'hectares. Et l'écrasante majorité de la population, surtout la population autochtone qui réside dans ces endroits, est très pauvre. Donc, pour que ces personnes autochtones puissent voir leurs revenus augmenter, il faut au moins distribuer un peu les terres. Quand on distribue les terres, donc les gens auront des moyens de production et leurs revenus vont augmenter. Donc, c'est de ça qu'il parle surtout ici. Et aussi constituer des marchés interrégionaux, c'est-à-dire des marchés dans la sous-région, les pays qui sont limitrophes, faire leur marché là-bas, constituer des marchés et ils échangent les produits entre eux. Donc, on peut noter ça, elle nécessite des politiques protectionnistes. Elle nécessite des politiques protectionnistes.
Elle nécessite des politiques protectionnistes et, bon, vous pouvez sauter financement, vous notez, et des investissements massifs. Elle nécessite des politiques protectionnistes et des investissements massifs. Donc, pour constituer ces régions, ces marchés inter-régions, il faut un peu protéger son marché intérieur en mettant des taxes sur les produits qui viennent ou bien en interdisant carrément certains produits d'entrer chez soi. Protéger pour que notre industrie puisse se développer petit à petit. Sinon, si on ne protège pas, on ne met pas des barrières douanières, les produits de l'extérieur, ils sont de meilleure qualité, vont concurrencer l'industrie qu'on a chez nous et, bon, et ça ne va pas marcher. Donc, politique protectionniste et des investissements massifs. Mettre beaucoup d'argent, construire des usines, acheter des machines, former des gens, acheter des matières premières, aider tout, tout, tout pour que ça soit efficace. Bon, ici, c'est important, on ne peut pas le sauter. Le développement est assuré. Est assuré. Le développement, bon, doit être assuré, tout ça, mais moi, je dis est assuré par une stratégie. Stratégie est assurée par une stratégie de remontée de filière. Une remontée de filière. Vous avez noté ça? Donc, nous, nos pays doivent faire ça. En tout cas, en partie. Ils doivent appliquer cette théorie. Bon, remontée de filière, vous comprenez cela? C'est expliqué en parenthèse. Technologie. C'est long, hein? Passer d'une production à faible contenu technologique faible contenu technologique vers une, ça remplace production, hein, une production, bon, ils ont sauté production, à une, vers une à haute valeur ajoutée. Bon, si vous voulez, vous ne notez pas avec une main de qualité. À cela. Donc, ça veut dire quoi? Au début, ils ont une industrialisation dans laquelle il n'y a pas beaucoup de technologie. Ils n'ont pas de machines bien élaborées pour fabriquer des choses. Bon, comme un peu comme on le fait ici avec nos. Les gens qui font, les femmes qui font la transformation céréalière, bon, ils ont juste un petit sachet qu'ils mettent dedans, ou bien des enveloppes comme ça. Mais aller vers une production à haute valeur ajoutée, avec une main-d'œuvre qualifiée.
Si vous voulez, vous pouvez noter deux points où c'est la stratégie d'industrialisation par Laval. Juste, on s'arrête là. Par Laval. C'est deux points, c'est la stratégie d'industrialisation par Laval. Vous connaissez le mot aval? Aval. Par exemple, bon, le fleuve qui est ici, par exemple, disons, fleuve Sénégal, qu'est-ce que j'ai dans la mer? Donc, ici, moi, à moi, oui. avant la là. Donc, on a des industries, mais chaque fois, on remplace les vieilles technologies par des technologies plus avancées pour avoir plus de valeur ajoutée. Suivant. C'est intéressant. Waouh, écrivez. Moi, je voulais dire ça. Aboutit à une production industrielle diversifiée, assise sur un marché intérieur stable. On doit appliquer ça en Afrique. Oui. Bon, je ne pense pas si on aura le temps de poser des questions. Parce que c'est, on n'a pas fini le cours même d'abord. On n'aura pas le temps. Après, je vais faire des questions. Je vais faire des questions. Assise sur un marché intérieur stable. Assise sur un marché, un marché intérieur stable. C'est beaucoup, hein? Et c'est bon, vous avez toutes les informations, toutes les théories de l'économie de développement. Tous les grands, les noms des grands économistes. Hirschman, Peroux, Rodin, Troskov. Bon, vous avez noté les industries
un, deux, les industries, un, deux, deux, les industries industrialisées. Bon, on saute la première phrase. Les industries industrialisées. Bon, vous avez noté hein, le sous-titre. Bon, je pense qu'il faut commencer par là. Inspiré, la deuxième ligne vers la fin, inspiré de l'expérience de l'URSS, et de la thèse de la croissance, déséquilibrée, inspirée de l'expérience de l'URSS et de la thèse de la croissance déséquilibrée et de la thèse de la croissance déséquilibrée. Bon, on sait déjà qui sont les adeptes de cette croissance déséquilibrée, de Pérou et de Hirschman, cette stratégie. De Pérou et de Hirschman, virgule. Cette stratégie. Cette stratégie pousse l'État à orienter les investissements orienter les investissements à la place du. Bon, ils ont sauté ici quelque chose. À la place du secteur privé. C'est l'État qui pousse, qui donne l'argent, qui investit à la place du secteur privé. Maintenant, pourquoi l'État fait à la place du secteur privé? Car la faible rentabilité de ceci, la faible rentabilité de le pronom ici remplace les investissements, à la faible rentabilité de ceci, car la faible rentabilité de ceci découragerait les acteurs privés. Donc ici, c'est l'État qui investit dans les industries lourdes, les grosses machines. La fabrication
Bon, si c'est l'URSS, c'est la fabrication des fusées qui vont dans l'espace. Parce que le privé ne peut pas investir là-bas. Souvent, les fusées peuvent éclater. C'est des milliards de dollars qui sont perdus. Point. Ainsi, ainsi les investissements dans les secteurs stratégiques, ainsi les investissements dans les secteurs stratégiques permettent de secteurs stratégiques permettent de constituer les pôles industriels, de constituer les pôles industriels de croissance. Donc, comme l'État investit en masse dans le secteur de l'industrie lourde, donc il y a des pôles, il y a des petits points, des secteurs qui sont des secteurs de croissance. Et maintenant, point, par effet d'entraînement, par effet d'entraînement, ceux-ci propageront le développement dans tous les autres secteurs. Ceux-ci propageront le développement dans tous les autres secteurs en aval. N'est-ce pas cette phrase importante pour comprendre? Ouais. Donc, vous pouvez dire l'industrie, vous pouvez juste dire l'industrie lourde constitue ce secteur privilégié. Si vous voulez vous arrêter là. Parce que les industries, ou bien l'industrie lourde constitue. Mais l'industrie constitue ce secteur privilégié. Point.
Vous pouvez noter, bon, on note quelque chose, une dernière phrase. En dégageant des gains de productivité, 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 virgule. Bon, ici, on parle de l'industrie, elle favorisera la croissance de l'économie. Elle favorisera la croissance de l'économie. De l'économie toute entière, de l'économie toute entière avec une mécanisation de l'agriculture. Avec une mécanisation de l'agriculture, par exemple. Elle favorisera la croissance de l'économie toute entière avec une mécanisation de l'agriculture, par exemple. Bon, on va au suivant. Un, deux, trois, les raisons d'un échec. Un, deux, trois, les raisons d'un échec. Bon, on va laisser tout. Ces trois phrases-là, on commence ici. On commence ici. Ces stratégies. Ces stratégies n'ont pas permis d'obtenir un processus durable. De croissance et de développement. Ces stratégies n'ont pas permis d'obtenir un processus durable de croissance et de développement. Point, la pauvreté et les inégalités sont toujours très présentes. La pauvreté et les inégalités sont toujours très présentes. Donc, on va en venir aux raisons de cet échec. Cet échec est dû. Cet échec est dû. Cet échec est dû à l'insuffisance du marché intérieur. Cet échec est dû, vous voyez, à l'insuffisance du marché intérieur. Le marché est petit, il n'y a pas beaucoup de. Les populations n'ont pas beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour acheter tout ce qui est produit. Cet échec est dû à l'insuffisance
du marché intérieur. Du marché intérieur qui ne permet pas d'assurer, qui ne permet pas d'assurer les débouchés aux produits industriels. Vous pouvez même mettre point. Qui ne permet pas d'assurer les débouchés aux produits industriels. Donc, tous les produits industriels qui sortent sur le marché ne sont pas achetés, ne sont pas acquéris par les populations. Ça, c'est le premier échec. Parce que cet échec est dû à l'insuffisance du marché intérieur qui ne permet pas d'assurer les débouchés aux produits industriels. Point. Deuxième raison d'échec, on va commencer. Les biens d'équipement. Les biens d'équipement ne sont pas compétitifs. Les biens d'équipement ne sont pas compétitifs sur le marché international. Donc, même si nous, ici, on fabriquait des ordinateurs, des portables, des tables, tout, 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 si on amène sur le marché extérieur, peut-être qu'avec le design et la qualité des produits, nos produits ne seraient pas compétitifs, seront de faible valeur. Donc, les biens d'équipement ne sont pas compétitifs sur le marché international. Point. Point. D'accord. Donc, on va reformuler, diminuer un peu cette phrase. Ces stratégies nécessitent nécessite. Un accroissement des importations des technologies. Importation des technologies des technologies et des biens d'équipement, des biens d'équipement, des biens d'équipement pour assurer l'industrialisation, pour assurer l'industrialisation, mais aussi des produits agricoles, mais aussi des produits agricoles, des produits agricoles, du fait de l'abandon du secteur primaire. Secteur primaire, c'est en fait le secteur agricole. Pour ne pas répéter deux fois dans la même phrase le même mot. Du fait de l'abandon du secteur primaire, donc les raisons de l'échec. Bon, malgré toutes ces politiques, la pauvreté est toujours présente, la pauvreté et les inégalités. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont très pauvres. Donc les raisons de cet échec, c'est quoi? Le marché, il est petit, il est étroit.
Le marché ne peut pas absorber tous les produits qui sortent, tous les produits que les industries fabriquent. Le marché, le pouvoir d'achat de la population ne permet pas d'acheter tout. Ça, de deux, les biens d'équipement ne sont pas compétitifs sur le marché international. Donc, quand on amène nos produits là-bas, où il y a les produits des Suisses, des Allemands, des Américains, oh, nos produits sont de très mauvaise qualité. Trois, en plus, nous sommes obligés d'importer des technologies, des machines pour fabriquer, pour soutenir l'industrialisation. Donc, on met beaucoup d'argent dans les importations. Non seulement on importe beaucoup de biens et de technologies, mais aussi on importe tout ce que nous consommons. La plupart, vous voyez dans nos boutiques, dans le supermarché, tout ce qu'on achète, presque ça vient de l'extérieur. Tout, ici ça va, dans certains pays africains, des pays de l'Afrique centrale comme ça, et pratiquement tout leur argent c'est dans les importations de la nourriture. Nous, au moins, ça va plus ou moins. Donc, nos produits ne sont pas compétitifs. Nous utilisons beaucoup d'argent pour acheter des technologies et en plus, nous achetons ce que nous consommons. Les pâtes, tout ce que vous voulez. On achète tout. Donc, c'est pourquoi c'est toujours difficile. Nouveau sous-titre 1.3, le développement extraverti. Bon, quand on parle d'extraverti, c'est sûr, c'est vers l'extérieur. Le développement extraverti. Le sous-titre, il est court quand même. Bon, on va dire, il s'agit d'une autre stratégie, il s'agit d'une autre stratégie d'industrialisation. Il s'agit d'une autre stratégie d'industrialisation. Il ne faut pas écrire une autre partie des pays. Il s'agit d'une stratégie d'industrialisation qui passe par une participation croissante, par une participation croissante par une participation croissante au commerce international. Par une participation croissante au commerce international. Point. On va au prochain sous-titre. Prochain sous-titre. 1.3.1. Ça fait rire. Il faut raccourcir. Ça fait rire, mais c'est bon. 1.3. L'exportation des produits primaires. L'exportation des ressources primaires.
Vous notez les ressources financières. Les ressources financières. Les ressources financières tirées des exportations. Les ressources financières tirées des exportations doivent permettre d'importer les biens d'équipement. Doivent permettre d'importer les biens d'équipement pour favoriser l'industrialisation. Pour favoriser l'industrialisation de l'économie. Pour favoriser l'industrialisation de l'économie. Bon, on ne peut pas sauter les phrases ici. Je pense qu'on peut noter cette stratégie. Cette stratégie s'est avérée ruineuse. Ruineuse, ils ont perdu. Je suis ruiné, j'ai perdu tout mon argent. Cette stratégie s'est avérée ruineuse. Ils ont perdu beaucoup d'argent pour des pays spécialisés, pour des pays spécialisés dans une monoculture du fait de la dégradation. Des termes de l'échange. Donc, les pays qui sont spécialisés dans la monoculture, exemple de l'arachide, du coton, du café, du cacao, ces pays ont perdu beaucoup d'argent du fait que les termes de l'échange, par exemple les prix des produits, peuvent chuter. C'est d'autres personnes qui fixent les prix. Ce n'est même pas le commerçant, le vendeur qui fixe les prix. C'est en général les gens qui sont là-bas, qui ont des grosses industries. N'est-ce pas? Vous savez que la Suisse doit être. La Suisse est la première productrice en cacao. Si je dis productif, le cacao sur le marché est une. Ah, c'est la pause. Hein? Il va fermer le canon. D'accord, c'est la pause. C'est la pause.
Rendre ces processus, de développement instable. Rendre ces processus de développement instable. Un, trois, deux, la promotion des exportations. Un, trois, deux, la promotion des exportations. Vous avez noté ça. Remplacer les exportations traditionnelles. Remplacer les exportations traditionnelles par les nouvelles. Remplacer les exportations traditionnelles par les nouvelles. Par les nouvelles plus intensive en capital. Et en plus forte valeur ajoutée. Et en plus forte valeur ajoutée. Point. Passer de l'industrie lourde, non, passer de l'industrie légère, passer de l'industrie légère à l'industrie lourde. Passer de l'industrie légère à l'industrie lourde, à l'industrie lourde. À l'industrie lourde, à l'industrie lourde, en intégrant
en intégrant progressivement du progrès technique. Et en assurant la formation de la main-d'œuvre. Et en assurant la formation de la main-d'œuvre. Et en assurant progressivement de la main-d'œuvre. Oui. Passer de l'industrie légère à l'industrie lourde, en intégrant progressivement du progrès technique et en assurant la formation de la main-d'œuvre. Point suivant. Point suivant. On va au 1-4. Un cadre des stratégies plus complémentaires qu'opposées. Des stratégies plus complémentaires qu'opposées. On va dire que ces deux stratégies ne doivent pas être opposées. Ces deux stratégies ne doivent pas être opposées. Ne doivent pas être opposées. Ne doivent pas être opposées par. Elles ont plusieurs points communs. Ne doivent pas être opposées car elles ont plusieurs points communs. Car elles ont plusieurs points communs. Deux points, ou bien tels que deux points. La place essentielle de l'industrie. Quelques deux points. La place essentielle de l'industrie, virgule. L'objectif d'une structure productive nationale diversifiée. Virgule. L'objectif d'une structure productive nationale diversifier, virgule, la place très importante de l'État, dans le processus d'industrialisation. L'objectif de maîtriser le commerce international.
l'objectif de maîtriser le commerce international. Pour ça, on ne note pas, mais je vais juste vous lire et vous l'expliquer. En clair, donc, la promotion des exportations nécessite de se protéger de certaines importations qui pourraient concurrencer l'émergence de nouvelles industries encore fragiles. Ensuite, la substitution aux importations nécessite un accroissement des exportations pour assurer des débouchés à la production industrielle nationale. Donc, première chose, il faut promouvoir, développer les exportations. Et pour faire cela, il faut mettre des taxes pour qu'il n'y ait pas des importations, beaucoup de produits qui rentrent. Donc, on protège notre industrie en se protégeant un peu de la concurrence, pour que notre industrie qui est tout juste naissante puisse se développer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, bon, substituer aux importations, il faut, pour se substituer aux importations, pour développer, il faut accroître les exportations pour vendre à l'extérieur. Bon, on va aller plus loin, on va aller ici. Deux, tournant libéral. Tournant libéral des modèles de développement. Ah, nous avons fait une avancée. Tournant libéral des modèles de développement. Bon, on va juste noter le début de la première phrase. Les années 80, les années 80 vont être le cadre du tournant libéral. Le cadre du tournant libéral. Tournant libéral qui concerne aussi les stratégies de développement. C'est-à-dire, quand on parle de tournant, ça veut dire les pays occidentaux, les pays libéraux, les pays développés, ils ont changé carrément de stratégie. Ils ont tourné. Avant, ils disaient, ouais, faites comme ça, comme ça, comme ça. Mais à partir de ces années 1980, ils ont changé complètement. C'est de ça qu'on va parler. Donc, vont être le cadre du tournant libéral qui concerne aussi les stratégies de développement. Oui. Bon, on se compte tout ça, on va dire 2-1, les origines. 2 points, la crise de la dette.
De 1968 à 1980, la dette du tiers-monde a été multipliée par 12. A été multiplié par 12. Pour ça, ne notez pas tout ça. Je vais juste vous lire. L'endettement extérieur est contracté par les agents publics, c'est-à-dire l'État, ou privés, certaines grandes sociétés privées, auprès de l'État, c'est-à-dire du Club de Paris, auprès de l'État de. C'est la France qui a l'origine de cela, Club de Paris 1956, ou auprès d'institutions internationales comme le FMI, Fonds monétaire international, ou la Banque mondiale, ou aussi il y a des organismes privés qu'on appelle le Club de Londres. Bon, on peut noter. On peut noter que la dette, le prêt ou la dette est une ressource légitime. Est une ressource légitime pour financer un investissement. C'est une ressource légitime pour financer un investissement à l'absence d'épargne interne. Pour financer un investissement à l'absence d'épargne interne. En l'absence d'épargne interne. Donc, la dette est utile ou bien elle est utile si le rendement de l'investissement, si le rendement de l'investissement excède le montant de l'endettement. Si, donc, elle est utile si le rendement de l'investissement excède le montant de l'endettement. Par exemple, quand on investit, on a des gains d'argent, on a des bénéfices. Maintenant, si ce bénéfice dépasse le montant de l'endettement pour un certain temps, après un certain temps, donc on peut dire que la dette, elle est très utile à ce moment. Virgule. Virgule. Et si elle finance les projets industriels. Les projets industriels. Des projets industriels à forte externalité positive. À forte externalité positive. C'est-à-dire à forte externalité positive, ça veut dire les effets externes qui sont positifs. Bon, les effets externes, ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver forcément de l'argent. Mais ça veut juste dire que quand on développe un secteur de l'industrie, ce secteur peut influencer les autres secteurs par le fait que
Bon, il y a la formation de la main-d'œuvre qui devient beaucoup plus qualifiée, donc ça agit sur les autres secteurs de l'industrie. Ce n'est pas forcément de l'argent liquide, mais ça augmente quand même. Ça agit de façon positive sur les autres secteurs. Bon. Ce qui est grave, hein, il y a un point, bon, il faut souligner cela. Dans beaucoup de pays en voie de développement, dans beaucoup de PE2, dans beaucoup de pays en développement, dans beaucoup de PE2, dans beaucoup de PE2, la dette a servi. La dette a servi à financer des dépenses somptuaires. La dette a servi à financer des dépenses somptuaires. Somptuaires. Des dépenses somptuaires ou des dépenses somptuaires ou peu favorables au développement. N'est-ce pas? Ou peu favorables au développement. Donc ça, c'est entre parenthèses, on va noter. Non, vous ne l'écrivez pas. Entre parenthèses, c'est phénomène d'éléphant blanc ou phénomène cathédrale dans le désert, c'est-à-dire dans beaucoup de pays. Ils ont contracté de fortes dettes pour faire des dépenses qui n'apportent pas de bénéfices, qui n'apportent pas de développement, des dépenses de prestige. Ce que je connais en Côte d'Ivoire, le président, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, a reconstruit son village natal qu'il voulait transformer en la capitale de la Côte d'Ivoire, Yaoundé. Il a construit là-bas une basilique plus grande que celle du Vatican. Alors qu'il n'y a même personne qui habite là. Même chose pour un dictateur, un ancien dictateur du Congo, Congo démocratique, Mobutu, il a fait la même chose. Mais maintenant, tout tombe en ruine. Parce qu'ils ont pris de l'argent juste pour faire des choses comme ça. Bon, ça, vous ne notez pas, mais on va juste expliquer. Pourquoi c'était facile de de contracter des prêts à l'époque? C'était facile parce que l'offre, parce que l'offre de crédit était élevée. Il y avait tellement d'argent à l'époque que, bon, il n'y a pas de difficulté pour contracter des dettes. Ensuite, il y avait de l'abondance du dollar au niveau mondial, avec des taux d'intérêt très bas, des taux d'intérêt très bas, même négatifs, ce qui incitait à l'endettement. Or, à partir de 1979, il y a eu un choc monétariste, par exemple, il y a eu une inflation, l'économie a chuté. Donc maintenant, le directeur de la Banque fédérale des États-Unis a fait remonter maintenant le taux d'intérêt. Quand il a fait remonter le taux d'intérêt, c'est fini. Donc, à ce moment, les gens, ils avaient contracté des grosses dettes avec un taux d'intérêt négatif. Mais maintenant, le taux d'intérêt a été élevé. C'est pourquoi ils se sont retrouvés avec beaucoup, beaucoup de dettes. Par exemple, si tu as pris 1 million avec un taux d'intérêt 1%, 2%. Ils disent même négatif, peut-être moins 2, moins 3. Et maintenant, ils disent que, bon, quand vous remboursez, les intérêts, ce n'est plus 2%, mais c'est, disons,
10%, les 15%. C'est une dot. L'endettement va éclater. On va au suivant. Le suivant, ça, c'est ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu parler de ça. Les programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel. Voilà. Vous avez entendu parler de. Comment on appelle? Des départs volontaires. Vous avez entendu ça? Voilà, c'est de ça que ça parle. Par exemple, les pays occidentaux vont leur rendre engagé communément. On va vous donner de l'argent, on va vous financer. Mais pour que vous puissiez rembourser, bon, vous devez serrer la situation au gouvernement, serrer la situation, vous diminuez vos fonds. Et malheureusement, le président nous a accepté. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur travail, l'économie ne marche plus. C'est à ce moment que la guerre a commencé dans beaucoup de pays. Les programmes d'ajustement structurel. Parce
à des conditionnalités. Bon, point. On laisse le reste, on continue. Donc, ces plans qui étaient des mesures, ces plans qui étaient des mesures conjoncturelles, ces plans qui étaient des mesures conjoncturelles, vous avez vu conjoncturelles. On va reformuler la phrase, que ça soit moins long, pour qu'elle soit plus facile. Ces plans qui étaient des mesures conjoncturelles, qui étaient des mesures conjoncturelles, qui étaient des mesures conjoncturelles, qui étaient des mesures conjoncturelles pour garantir le remboursement des prêts, pour garantir le remboursement des prêts, pour garantir le remboursement des prêts, deviennent deviennent un modèle deviennent un modèle j'ai reformulé un peu la phrase deviennent un modèle de développement libéral deviennent un modèle de développement libéral s'appliquant à tous les pays sous-développés, s'appliquant à tous les pays sous-développés, renouant ainsi avec le modèle de ressort, renouant ainsi avec le modèle de ressort, avec le modèle de ressort. Point. Bon, on peut sauter. Tout le reste. On peut sauter. On peut sauter, on descend. Deux, trois. La crise du modèle. La crise du modèle d'ajustement structurel. Fatigué. On a avancé. Si le début c'était comme ça, on a terminé.
Bon, on va dire les, en abrévié, les PAS, les programmes d'ajustement structurel, hein. Les PAS provoquent la pauvreté. Provoque la pauvreté. Provoque la pauvreté et enfonce les pays dans le sous-développement. Et enfonce les pays dans le sous-développement. Point. En effet, le démantèlement, des services, démantèlement du service public virgule. La réduction des dépenses publiques de santé. La réduction des dépenses publiques de santé. De santé, d'éducation, de santé, virgule, d'éducation. Imposé par les critères d'équilibre budgétaire. Imposé par les critères d'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire provoque des reculs provoque des reculs bon on sort un peu de l'alphabétisation provoque des reculs de l'alphabétisation. Peut-être pas les mettre en termes. En termes d'alphabétisation, de l'alphabétisation. Ou de la mortalité infantile. Bon, on sort. On fait quoi? Après, je vais vous refaire ça en diminuant encore un peu. Chapitre 4, écrivez le sous-titre. En fait, c'est ça qu'il devrait faire aujourd'hui. Si on avait fait. On a vu ce chapitre 4. Il fallait simplifier le cours et on serait là ce matin à 9h, 10h comme ça. Chapitre 4, les nouveaux paradigmes de développement, la bonne gouvernance. Oh.
la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Ensuite, donc, noter un droit de lutte contre la pauvreté. Droit de lutte contre la pauvreté. Droit de lutte contre la pauvreté. Ensuite, réforme institutionnelle et lutte contre la pauvreté. Donc, à la fin des années 90, début des années 2000, les IBW, moyennes institutions de Bretton Woods, là où il y a la Banque mondiale. À la fin des années 90, les institutions de Bretton Woods c'est l'adresse de la Banque mondiale, la rue dans laquelle elle se trouve, se sont engagés sur la voie du développement intégré. Les institutions de Bretton Woods se sont engagées sur la voie de développement intégré dont les fondements sont deux points. Se sont engagés sur la voie de développement intégré dont les fondements sont deux points. Deux points à la ligne tirée, assurer un environnement macroéconomique stable et ouvert. Bon, assurer un environnement macroéconomique stable et ouvert. Bon, l'environnement macroéconomique, c'est l'économie à l'échelle de la nation. Microéconomie, c'est peut-être les petites entreprises, mais macroéconomie, c'est à l'échelle du pays. Macro, c'est grand. Économie, grande économie. Donc, l'offre et la demande. L'inflation, les taux d'intérêt, tout ça. C'est ça
les éléments qui font partie de la macroéconomie. Donc, assurer un environnement macroéconomique stable et ouvert, bâtir des institutions publiques, responsables et inclusives. Bon, ce sont les institutions de l'État, tous les gouvernements, toutes les institutions, que ça soit responsable, c'est-à-dire pas de corruption, pas de dictature, et que ça soit inclusif pour ne pas rejeter à la marge du développement, à la marge du pays, des populations. Et investir dans la santé, l'éducation et la sécurité sociale. La santé, l'éducation et la sécurité sociale, ce sont des éléments qui rentrent dans le développement de l'individu. Très important. La santé pour développement de l'individu, c'est très important. Oh, il reste 5 minutes. Donc, cette nouvelle approche s'attaque aux causes profondes de la pauvreté. Elle s'attaque aux causes profondes de la pauvreté. Point. On va sauter un peu, on va dire deux grands axes de recherche. Deux grands axes de recherche émergent. Deux points. Deux grands axes de recherche émergent. On fait deux points. Émergent. Deux grands axes de recherche émergent. Deux points. Deux points. Les liens entre institutions au pluriel et développement. Les liens entre institutions et développement. Et bon, le deuxième axe, c'est les définitions de la pauvreté. Les définitions plurielles de la pauvreté. Ah, ça reste 3 minutes. Donc, on descend, on va dire la BM ici, la Banque mondiale, d'accord? La BM parvient à la conclusion. La Banque mondiale, BM, parvient à la conclusion que la lutte contre la pauvreté
que la lutte contre la pauvreté suppose de s'attaquer à deux modèles de base. Que la lutte contre la pauvreté suppose, vous pouvez vous dire, implique de s'attaquer à deux modèles de base. Que la lutte contre la pauvreté suppose de s'attaquer à deux modèles de base. Deux points. Voilà, deux modèles. Il y a deux problèmes. Il faut s'attaquer à ces deux problèmes. Deux points à la ligne tirée. Accroître les ressources. Donc, premier tiré, accroître les ressources à la distribution des pauvres. Accroître les ressources à la distribution des pauvres est nécessaire. Est nécessaire. Donc, il faut distribuer pour que les pauvres puissent trouver un peu de ressources. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire, est nécessaire, mais non suffisant. À la distribution des pauvres, accroître les ressources des pauvres, ça distribuer, trouver du travail aux pauvres. À distribuer des pauvres. Oui, à distribuer. À la distribution. À la distribution des pauvres est nécessaire, mais non suffisant. Et deuxième tiré, il faut également, ou bien il faut les aider à transformer ces ressources. Il faut les aider à transformer ces ressources en fonctionnement. Il faut les aider à transformer ces ressources en fonctionnement, c'est-à-dire accroître la capacité. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement. Il faut les aider, il faut également les aider à transformer ces ressources en fonctionnement, c'est-à-dire accroître la capacité. C'est-à-dire non seulement distribuer les ressources aux pauvres, mais aussi les aider à faire fructifier ces ressources, à investir. Bon, il est 12 heures passées, donc ça s'arrête là. Mais je ne sais pas, il faut un autre cours. Il faut un autre cours. Bon, merci à vous. On s'arrête là. Thank you.
Ah, bonjour. Ça Mon va? grand, vous allez et la famille, ça va, merci. Merci beaucoup.
D'accord, on va madame. C'est quoi? Le colotis de Catoran. Ce sont des scandales, Extension réseau et tout ça là, donc il y a 18 millions. Okay. 5 millions quelques maintenant. Voilà. Goûtez écolo
Ouais, comme il y a école, bon. Oui. Et puis, tu as Oui.